Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est une grande journée pour moi aujourd'hui. Je viens récupérer ma Pontiac chez le carrossier. Du coup, on est parti sur une peinture totale. Pourquoi? J'avais un capot en fibre, hein, qui n'était pas terrible. J'avais aussi également un pare-choc arrière 1989 avec les deux petits boudins en caoutchouc. Donc c'est vrai qu'au début, ça dépanne, on est très content, mais quand on commence à y prendre goût, ben, on a envie d'avoir quelque chose qui se rapproche de la série, on va dire. Donc ben voilà, hein, comme vous pouvez le constater, la voiture donc, a subi une peinture intégrale. Donc on a gommé tous les petits défauts, toutes les petites conneries. Là, comme vous voyez, c'est un pare-choc donc 82-84. En fibre de chez Vincenzo. Voilà, donc intégralement repeint également, ajusté, aligné, parce que l'inconvénient de la fibre, c'est que des fois ça tombe pas nickel nickel. Le béquet arrière, les paupières de phare supérieures et inférieures. Voilà, donc on a repris tous les petits jetards, tous les petits pocs qu'il pouvait y avoir à droite à gauche. Et voilà, comme vous pouvez le voir, là ça brille sévèrement. Donc ce capot, c'est un capot qu'on a acheté aux États-Unis, bon, qui avait 40 ans, qui était dans son jus. Et là, vous voyez, là, c'est vraiment nickel, nickel.